Bonjour, je suis Nathalie Féline, je suis présidente directeur général de Risk & Co, qui est une entreprise française qui a aujourd'hui 200 collaborateurs, dont le chiffre d'affaires est à 50-50 en France et à l'international, avec plusieurs métiers. Dans le domaine du déminage, nous avons une filiale qui s'appelle Géomine, qui est basée à Toulon, en France, qui emploie une soixantaine de démineurs, qui sont des spécialistes en effet de la dépollution pyrotechnique et du démantèlement de munitions et de missiles. Donc elle intervient aujourd'hui en France, notamment sur les terrains militaires, d'entraînement militaire et sur les sites où ont été bombardés un certain nombre de munitions et de bombes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la première partie d'activité. Et la deuxième partie d'activité est à l'international. On assiste les États et certaines entreprises, voire des missiliers, à démanteler leur stock de munitions. D'abord à évaluer le risque, le diagnostic sur les terrains, à évaluer leur stock de munitions. Ensuite, s'il faut, aller jusqu'à la destruction de ces stocks qui nécessitent de grandes contraintes sécuritaires et surtout d'envoyer des personnes très qualifiées. Et enfin, aux États, nous offrons de la formation et de l'assistance technique pour eux-mêmes prendre en main leurs propres équipements et leur gestion des stocks. Le marché africain est très important pour nous parce qu'il offre aujourd'hui une grande qualité de formation chez les opérateurs, notamment étatiques et en particulier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que l'on offre, c'est un vrai savoir-faire français, mais notre objectif n'est pas d'arriver et repartir en faisant un certain nombre de choses qui sont opérationnelles et en quittant le territoire. On a un vrai souhait de transmettre notre savoir-faire, parce qu'on fait également de la formation, de l'assistance technique. Et je le disais, les collaborateurs, les personnels, notamment militaires, de la police africaine, sont d'un tel niveau aujourd'hui qu'ils sont à même de prendre leur propre formation en route. Et c'est pour ça qu'on offre ce type de formation. Donc aujourd'hui, c'est une activité qui, au sein de Risk & Co, offre un service d'intégration avec une entreprise française qui s'appelle Delair, qui a donc travaillé sur le développement d'un drone électrique qui a 2 heures à peu près d'autonomie et dans lequel nous opérons, nous implantons un IMSI catcher afin de répondre aux attentes des services de renseignement. Donc c'est un service qui est vendu aux États. Donc aujourd'hui, nous lançons cette commercialisation dont vous voyez ici une présentation. Qui est très imaginative parce qu'elle est très souple, elle est dans des budgets qui répondent aux attentes de nos clients, elle est sur étagère et surtout elle est à même de répondre aux besoins opérationnels des forces, notamment des forces spéciales sur le terrain qui se battent contre les djihadistes. Donc l'idée est de récupérer des données par un système d'IMSI catcher embarqué et qui sont utilisables et que l'on peut voir au fur et à mesure de l'utilisation du drone. Et c'est en cela que c'est très intéressant, c'est-à-dire que le traitement des données est immédiat et permet de répondre aux forces qui sont sur le terrain très très vite. Et tout ça dans un contexte très silencieux, très autonome et très facile d'utilisation pour les utilisateurs. L'objectif, c'est aussi de mettre en œuvre des solutions que les utilisateurs s'approprient avec du MCO, de la facilité de pièces de rechange, de la formation de pilotes. Nous avons pour ça 2 pilotes en fait dans nos équipes qui sont formés à l'utilisation du drone et l'objectif est aussi de le transférer aux services utilisateurs. Je pense qu'on peut offrir une qualité globale de nos services. Aujourd'hui, on sait que l'on se bat sur d'autres pays qui arrivent, livrent des équipements, peut-être moins chers que les nôtres. Aujourd'hui, notre message est d'être dans des standards de qualité qui soient vraiment élevés, tout en ayant des budgets, j'allais dire attractifs, en tout cas raisonnables, pour les gouvernements étrangers et en les assistant dans une gestion globale de leurs projets. Sébastien Charrier, bonjour. Je suis responsable des comptes clés sécurité défense au sein de la société Luceor, une société française qui fabrique et conçoit des réseaux maillés haut débit en mobilité. Ça peut permettre effectivement de faire différentes actions, notamment pour la sécurité défense, de mettre en place des caméras dans la ville ou sur le terrain d'activité, sur les piétons en bodycam, éventuellement sur des objets connectés, drones, camions, véhicules, motos, et également avoir un réseau data et voix. Chaque équipement permet justement d'envoyer jusqu'à 200 mégabits.
Vous avez effectivement, en tant que piéton, vous pouvez avoir un routeur sur vous qui va permettre en radio, sur un support de 5,4 Go, de transmettre ces informations-là en toute sécurisation, puisque les clés AES sont, on va dire, tournantes et actives en permanence. Donc ce réseau sécurisé nous a permis à plusieurs reprises de sécuriser de grands événements en France tant qu'à l'étranger, que ce soit l'Euro 2016 ou des activités un peu plus ludiques comme le doudou en Belgique. En termes de sécurité, donc on vous assure que vous êtes propriétaire de votre réseau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réseau opéré à proximité, vous le créez vous-même. Vous êtes propriétaire de vos data, aucune data ne s'en va dans le cloud et vous maîtrisez complètement vos informations. Ça vous permet également d'avoir une sécurisation, bien sûr interne, mais dans l'avenir pour revisualiser toutes les informations, que ce soit data, vidéo ou voix. Les réseaux utilisés aujourd'hui en réseau militaire, réseau maillé militaire, sont excessivement plus chers que nous. C'est-à-dire qu'il y a un ratio de 1 à 10 par rapport à des réseaux dits militaires. Nous sommes sur un réseau dit civil, c'est une fréquence qui est libre de droit et donc ne nécessite pas de licence particulière. Pour un pays africain, pouvoir s'équiper de ce réseau-là leur permet effectivement d'avoir un réseau quasi militaire à disposition. I'm François Traxler, I'm the general manager of the French subsidiary of Rouac. Rouac is a Swiss group, but in France we are specialized in simulation and training tools or devices for all the security and armed forces all over the world. The CITAL, the small arm indoor training simulator, we use to deliver in France at more than 50 systems. So it's a basic system for all the forces to train their initial training to be sure that they can handle their weapons in a very secure way and to be sure that they will use their assault rifle with the best efficient way abroad. For sure we have technological add-on value, but I think that the add-on value in the gene of Rouac, it is the way that we fit the solution to each customer, and our add-on value is the pedagogical assets or that we use throughout our simulators. No need to have a simulator if behind the simulator you don't have you don't have someone able to understand, able to help the students to better handle. So I would say that our pedagogical add-on value is, for sure, we are close to the French army, very professional army, and these systems are using pedagogical assets. So that is a real added value of the systems. From 20 millimeters to small pistol, we can replicate all the weapons of you need. My main message is that you need to be well trained. You need that your soldiers or your people, when involved in security, know how to handle very perfectly your weapons. So you need people trained, and it is the best tool to train your people with the most efficient costs. Because compared to a real fire range, if you would have to train, for example, I would say that this system is maybe 10 or 20 times cheaper than real training fire ranging, for example. Alors, Shield Africa est né d'un parcours du combattant que nous avions eu en 2013, visite avec le ministre de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, de plusieurs salons. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on ne pouvait pas, plutôt qu'aller voir cette technologie, ces matériaux, ces équipements à l'étranger, faire venir les prestataires et les industriels en Afrique. C'est un pari que nous avons lancé en 2013. Alors aujourd'hui, nous avons eu 142 exposants pour cette édition 2019.
Et je rappelle que nous sommes partis d'une première édition avec 35 exposants, ce qui veut dire qu'on a triplé le nombre d'exposants. Nous avons aujourd'hui des exposants qui viennent des 5 continents, des pays, je dirais, traditionnels, poids lourds de la défense et de la sécurité, mais également d'États comme la Bulgarie, le Kazakhstan, la Côte d'Ivoire, le Maroc, qui viennent exposer ici en Afrique. Alors, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que la croissance est maintenue, le salon progresse, l'organisation est rodée. Aujourd'hui, il nous faut être plus performant en ce qui concerne l'accompagnement des délégations officielles, la préparation préalable, et c'est ce que nous allons faire, nous allons nous atteler. Mais je suis globalement satisfait de ce qui s'est passé durant ces 3 derniers jours. On est déjà tout prêt à lancer la prochaine édition et les inscriptions ont déjà commencé d'ailleurs pour les stands. Alors c'est du 25 au 28 janvier 2021, Shield d'Africa à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Et on vous attend nombreux et cette fois-ci, une meilleure couverture média comme vous l'avez souligné.